Alors aujourd'hui, nous sommes en train de simplement distribuer des journaux qui s'appellent ce journal La Présence. C'est un journal un peu parodique du journal local qui s'appelle La Provence. Nous sommes en train de distribuer ce journal à 100 mètres du Forum mondial de l'eau pour donner une façon assez joueuse et comique d'une contre-information, d'une sensibilisation un peu diverse. On parle de greenwashing. Eh bien, nous aussi, on fait un peu de greenwashing, mais un peu plus joueur. Et les réactions sont assez intéressées, assez surprises. J'ai eu des femmes tout à l'heure qui étaient un peu même énervées que la Société des eaux de Marseille ferme. Donc, il y a diverses réactions, mais relativement positives de la part des gens qu'on a rencontrés aujourd'hui. Par exemple, nous avons dans ce journal divers articles. Le plus grand titre, donc, c'est la fermeture de la Société des eaux de Marseille. Nous avons aussi un article qui parle du peuple de l'eau qui envahit Marseille. Donc les peuples, on pourrait dire, de l'eau qui envahissent Marseille. Nous avons aussi tout simplement la question des ressources de l'eau. Et enfin, des informations relativement critiques sur le Forum mondial de l'eau. Des critiques en termes de budget. On parle de millions et de millions d'euros dépensés pour très très peu de participants en inscription et à peine un demi-million pour le forum alternatif. C'est une façon de faire très différente. Donc ça, c'est une critique sur la modalité dans laquelle a été organisé ce forum officiel, le forum marchand.